Quelle est oui. Analyse quoi? Encore analyse. Bonjour docteur, représentez-vous. Bonjour, je suis le docteur Nien Sek. Je suis le médecin chef du district sanitaire de Makakoli-Bantan depuis le mois de mai 2010. Je vous ai entendu toujours parler CRR. Oui, je suis CRR du Saloum et plus précisément de Tandabar. Oui. Dans quel département de Kaolack, communauté rurale de Kerbaka, juste à 3 km à l'ouest de Ndofan-Laguem. Alors, présentez-nous un peu d'abord votre poste de santé. Voilà, donc le district sanitaire de Makakoli-Bantan est créé depuis 2006. Donc, c'est le district qui couvre tout l'arrondissement de Makakoli-Bantan. Donc, actuellement, nous avons trois postes de santé. Le poste de santé de Ndoga Babacar, le poste de santé de Seworo, le poste de santé de Sare Djamé et le centre de santé de Maka. En termes de population, en 2012, nous avons une population estimée à 70 414 habitants répartis dans trois collectivités locales que sont la communauté rurale de Ndoga Babacar, de Makakoli-Bantan, de Niani Toukleur et sur 250 villages. Et le district est frontalier de la République sœur de Gambie sur près de 100 km. Nous savons que la santé fait partie des compétences transférées aux collectivités. Alors, vous bénéficiez de l'appui de ces collectivités, vous venez d'hésiter tantôt. Donc, les collectivités locales appuient les structures de santé, mais il y a la particularité du centre de santé de Maka, qui est un centre de santé en milieu rural, qui est sous la tutelle du conseil régional de Tambacounda. Mais les collectivités locales, que sont Niani Toukleur, Ndoga Babacar et Makakoli-Bantan, nous appuient, en tout cas pour les années 2011 et 2010, nous avons reçu les fonds de dotation de ces trois collectivités locales. Alors, quelles sont les pathologies que vous rencontrez dans la zone? Voilà, dans la zone, Makakoli-Bantan est dans la région médicale de Tambacounda. Donc, elle n'est pas particulière dans cette région.
Donc les pathologies les plus rencontrées sont notamment le paludisme, qui est le problème, premier problème de santé publique dans la région et donc dans le district. En dehors de cela aussi, il y a les infections respiratoires aiguës, les maladies diarrhéiques surtout. Alors, nous savons que la région orientale, d'une manière générale, est Maka-Kolimandan, qui fait frontière avec la Gambie, peut-être et un peu d'autres localités, est une zone ouverte, n'est-ce pas, aux maladies épidémiques, aux maladies qui sont notamment la méningite et le choléra, entre autres. Alors, quel est un peu l'état des lieux? Voilà, par rapport à la situation épidémiologique, c'est vrai que nous sommes frontaliers, je l'ai dit tantôt, avec la République de Gambie sur 100 km. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal, il y a quelques mois, il y avait des cas de choléra un peu dans le district de Bakel, dans la région de Tamba, je pense que l'information était passée. Mais jusqu'à aujourd'hui, le district de Maka-Kolimantan est resté indemne par rapport à cette épidémie. Par rapport à la méningite aussi, nous n'avons pas eu d'épidémie de méningite depuis que je suis là. Par rapport à la situation épidémiologique, c'est la situation est stable. Alors, par rapport aux maladies à potentiel épidémique. Alors, c'est à inscrire à l'actif du docteur Seck ou alors c'est la volonté de Dieu? Non, docteur Seck ne saurait annoncer à lui seul ses résultats. Donc, c'est tout le système. Donc, nous sommes un élément du système. Donc, nous sommes là pour mettre en œuvre et opérationnaliser les directives, les programmes de santé. Donc, mais on se bat quand même pour surtout en ce qui concerne le programme élargi de vaccination, pour que régulièrement vacciner tous les enfants ou bien faire de tout pour aller trouver les populations là où ils sont pour les vacciner. Parce que nous sommes dans une zone où la couverture sanitaire est faible. Donc, je vous disais tantôt, on a 3 postes et 1 centre de santé, donc avec une superficie de 2700 km². Donc, le 2/3 de la population vit au-delà de 10 km des structures de santé. Ce qui veut dire qu'il faut aller les trouver pour les vacciner. Donc, ce qui fait que régulièrement, au moins, nous organisons, nous faisons des équipes mobiles. Donc, il y a une équipe mobile qui fait les villages qui sont loin des postes de santé. Donc régulièrement et chaque mois, nous avons 15 jours de sortie. Une sortie qui fait 15 jours. Nous avons 3 jours dans la communauté rurale de Niani Touklour, où il n'y a pas encore de poste fonctionnel. Nous faisons 5 jours dans la zone de Maka qui couvre 109 villages. Nous faisons 5 jours dans la région, dans la communauté rurale de Ndoga Babacar pour les postes de santé de Sevoro et de Ndoga. Et 3 jours dans le poste de santé de Sare Djamé. Ce qui fait en total régulièrement, nous faisons une sortie de 15 jours en équipe mobile. Ça, c'est l'équipe mobile. Mais en dehors de cela, les structures vaccinent en fixe pour les populations riveraines. Et les populations qui sont entre 5 et 10 km, ce sont les ICP qui se déplacent en moto pour aller les vacciner. Donc l'équipe mobile vient en appoint pour les zones qui sont au-delà de 10 km. Alors, nous savons que c'est une zone également qui est fortement ancrée dans la tradition. Il y a encore l'excision, il y a les mariages précoces. Et pour tout cela, comment vous prenez en charge la santé de la reproduction? Voilà, la santé de la reproduction est une problématique dans le district, vous l'avez dit, mais elle est multifactorielle. Le premier facteur, il y a la couverture sanitaire qui est faible, dont les populations sont loin des structures sanitaires. Mais en dehors de cela, il y a la réalité, le poids socioculturel qui est vraiment trop pesant dans cette localité qui est composée plus de mandingues et de peuls. Mais en dehors de cela, il y a aussi le niveau d'instruction ou d'alphabétisation des populations. Il y a la paupérisation grandissante. Donc tout ça constitue des facteurs déterminants de l'utilisation des services de santé de la reproduction. Donc ce qui fait que l'utilisation est faible, ou bien même il y a un retard dans l'utilisation des services, surtout en ce qui concerne les consultations prénatales. Les femmes viennent tardivement, soit au 3e trimestre, au 2e tiers de la grossesse, ou bien même 1 mois avant l'accouchement. En dehors de cela aussi, du fait que les infrastructures sanitaires sont faibles, certains ont tendance à accoucher à domicile. Donc les femmes utilisent peu le service, mais ils utilisent aussi tardivement. C'est multifactoriel, donc il y a beaucoup de déterminants. Alors, il y a certaines pathologies qu'on peut peut-être assimiler aux maladies du siècle, notamment l'MST, VIH, SIDA. Ensuite, il y a
les maladies cardiovasculaires, il y a également, n'est-ce pas, le diabète et tout ça, on n'en avait pas parlé, et ça dit que bon, la zone est un peu sécurisée par rapport à ces maladies. Non, le district de Maka n'est pas un cas particulier dans la région et au Sénégal. Donc, ce qui fait que les maladies chroniques sont là, il y a l'HTA, il y a le diabète, mais il y a aussi les infections dues au VIH-SIDA. Donc, nous sommes un centre de prise en charge du VIH-SIDA. Les ARV sont disponibles. Nous avons un laboratoire qui est équipé et les techniciens sont formés. Mais en dehors de cela, dans le cadre de la prévention de la transmission de la mère à l'enfant, nous avons décentralisé les tests au niveau des postes de santé de Séoro, de Ndoga et de Sari Djamé. Les ICP ont été formés dans le counseling VIH. Ils ont été formés dans la réalisation des tests de dépistage rapide du sida. Ce qui fait qu'à Sari Djamé, si vous allez là-bas, une femme enceinte qui vient en consultation prénatale et qui accepte de faire le test de dépistage rapide, le test est fait sur place par l'infirmier. Donc, il n'a pas besoin de faire 30 km pour venir au centre de santé le faire. Maintenant, si le test est positif, l'infirmier conditionne le prélèvement et l'envoie au laboratoire pour la confirmation. Une fois le statut sérologique est confirmé, nous mettons en œuvre la PTM. Alors, quel est le taux de prévalence? Bon, le taux de prévalence est dans la région, hein. Je pense, si je ne me trompe, je n'ai pas le chiffre en tête. Hein. Oui. Donc, mais c'est la même chose que la région de Tamba, qui avec une la zone de migration. Oui, c'est une zone de migration parce que dans les villages environnant l'arrondissement, donc ils sont en Afrique centrale, même en Espagne ou autre. Donc, il y a beaucoup d'émigrés dans la zone. Alors, quelle est la question? Ou quel est le sujet qui vous paraît important que j'ai oublié de vous demander? Le sujet important... On ne va pas vous demander le mot de la fin. Voilà. Donc, sinon, avant d'en arriver là d'abord, quel est un peu le climat social? Parce qu'il est important. Nous savons qu'il y a les syndicats, il y a la CINTRAS, il y a, n'est-ce pas, le SUSAS et tout ça. Bon, un peu, le centre de santé évolue, il a grandi. Donc, les problèmes sociaux ne peuvent pas manquer. Quel est un peu le climat social? Voilà. Entre peut-être le district, le médecin, le personnel, et le médecin ou le district et les populations. Le climat social, vraiment, il est apaisé. Hein, entre nous, comme chef de service, et notre personnel, que ce soit le personnel du centre de santé et le personnel des postes de santé, en tout cas, il y a un climat vraiment détendu parce que nous privilégions les relations sociales. Parce que c'est ça qui vient avant et qui vient après. Nous sommes là aujourd'hui, demain nous sommes appelés à quitter. Mais nous allons nous retrouver ailleurs parce que nous sommes dans un même unique système. Donc nous privilégions les relations sociales. C'est vrai qu'il y a le mot d'ordre de grève qui est respecté, mais ça n'empêche pas que nous faisons notre travail et nous essayons, dans la mesure du possible et dans l'amiable, faire de telle sorte que le système n'en pâtisse pas. Voilà. Donc, en tout cas, le climat social est très détendu entre nous et le personnel, mais entre nous et les populations aussi, vraiment, bon, il n'y a pas de problème. Nous essayons de nous adapter au contexte social à travers les comités de santé qui représentent les populations et qui sont un trait d'union entre nous et les populations. En tout cas, le climat vraiment est paisible entre nous et les populations. Alors, voilà. Pour élever un peu le plateau technique, vous avez un hôpital en chantier. Oui. Et qu'en est-il un peu? Voilà, le centre de Maka a bénéficié avec la partenariat Nord-Sud, donc avec l'AJICA, il y a un centre de santé qui est construit à Maka, un centre de santé de type 2 avec un bloc opératoire, un service de radiologie avec un cabinet dentaire, un appareil d'échographie, donc vraiment un plateau technique high-tech qui est vraiment bien fourni. Donc, mais en dehors de cela aussi, il y a d'autres postes de santé qui sont en chantier, notamment à Fadia, Kunda, à Souba Kunda, à Silame et à Sissé Kunda. Et nous espérons que au courant de cette année 2012, le centre de santé de Maka et ses 4 postes de santé vont être fonctionnels, ce qui va augmenter la couverture sanitaire au niveau de l'arrondissement et au niveau du district, et donc augmenter l'accès
faciliter l'accès aux services des populations. Donc, ça va nous permettre aussi de venir à bout ou bien d'atteindre nos objectifs et de relever les indicateurs de santé, surtout en termes de santé de la reproduction. Le mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est juste vous remercier de nous avoir tendu le micro et de nous exprimer. En tout cas, nous remercions vraiment les autorités du ministère de la Santé, la région médicale de Tambacounda qui est notre tutelle technique, et le personnel qui est vraiment engagé, du personnel parce que c'est un personnel dont la moitié est contractuelle. Donc, et tout le monde sait la situation du personnel contractuel, mais malgré cela, c'est des gens qui sont engagés, qui sont responsables, qui ont le sens du devoir et du travail bien fait, accompli. Donc, si nous avons des résultats, donc c'est parce que le personnel est là, malgré les difficultés géographiques, malgré les contraintes liées à la logistique, malgré les difficultés liées au climat, malgré les difficultés liées à la couverture sanitaire faible, malgré tous les problèmes, les gens sont toujours engagés, sont toujours présents et se battent toujours pour relever les indicateurs. En tout cas, moi, je les remercie énormément. Je remercie, docteur. Et une petite synthèse en vous. Donc, je suis venu à Dylan Centre, à RDV. Je suis venu à Dr Nien Sek. Je suis médecin chef district sanitaire de Makakoli Bantan depuis mai 2010. Le district sanitaire de Makakoli Bantan, nous avons créé depuis 2006. Le district est un peu de postes de santé. Mon poste de santé Ndoga Babacar, poste de santé Seworo, poste de santé Sare Djamé, et le centre de santé qui est le centre de Makakoli Bantan. La population qui est le district est un peu aussi, nous avons eu 70 414, bon, mon mot compte qui tient alors parce que c'est rare là. Donc population bobu mon ici n'était communauté rurale, communauté rurale Ndoga Babacar, communauté Nyani Tukler, à communauté rurale Makakoli Bantan. Xayma nañ dëkk yi nga xam le moom la district bi ëmb toll nañ ci lu ëpp ñaari témèr ak juroom fukk. Donc lolu moy district sanitaire Makakoli Bantan. Ñaar dañ nga am fi ñi liggéey ak yow? Ñu fi liggéey am nañ fi ñetti sage-femme, ñenti infirmiers, deux techniciens de santé, deux techniciens de laboratoire, benn maintenancier, ñaari médecins ak juroom ñaari ASC. Est-ce que collectivité ñu ngi leen jappalé? Ah, collectivité locale ñu ngi jappalé ci fonds de dotation yi nga xamné état da koy joxé ñuy jaaral ñuko jaar sen loxo ñu war ñuko jox. En tout cas depuis ma fi nekké 2010 ak 2011 bi nga xamné mom lañu génn communauté rurale Nyani Tukler, Makakoli Bantan ak Ndoga Babacar joxé nañ sen fonds de dotation pour poste de santé yi. Yeen xétu fébar ngeen fi faral di gis? Voilà, fébar yi nga xamné mom lañ fi faral di gis Makakoli Bantan ci région de Tamba la bok. Donc région de Tamba bok na ci région yi nga xamné fum tolni xexim Sibiru fa la gëna metté. Donc Sibiru bok na ci fébar yi nga xamné ñom ñofi gëna tar. Buñu wéso lolu aussi lu jëm ci xalé yi bok na fébaru soj li ñu wax infection respiratoire aiguë wala fébar yi nga xamné day dem ci bir bu daw. Ñett yoy da xamna né ñom ñoy nek priorité. Amna ay xétu fébar yo xamné laaj ñu passeport, laaj ñu visa, dañuy wëndal Tamba Mbalo rek. Choléra nga ci fi nak nek na zone bo xamné aussi fébar buñ tuddu méningite da na fi am. Alors ñunu naka lañ tédé? Waaw, bon ñun nak dañuy laal bant. Wow. Parce que buñ fi nekké ba légui naam amna choléra fo xamné feñ na fofu, mais ñun ba légui ma sha Allah ñu ngi laal bant, amagu ñu cas de choléra, amagu ñu sax cas suspect de choléra. Mais en dehors de cela méningite bi nga tuddu aussi depuis mo fi nekké ba légui, en tout cas méningite amuñu ay cas yo xamné cas épidémique la yo xamné dal bari na. Voilà, yo xamné bari na leg leg ñu am ben mais lolu mu ta ñak. Waaw, alors est-ce que chantier yi ngeen am yaakar ngeen né bon dana leen jappalé ba pour plateau technique bi gëna yok? Waaw, wa chantier, wa chantier yoy mom deug deug ma la waxé deug rek ñu leen di xaar. Parce que yaakar da ngeen ko? Waaw, man sax du man mako yakamti, waye population ñoko yakamti. Parce que tay buma gene dem Fadia wala Sisekunda chef de village buma ci gis rek luma ñëkkal ak docteur suñu hôpital yi. Donc pour woné wax nako sank ñetti poste de santé lañ am ak sank ben centre de santé ci ñetti communauté rural. Am nañ communauté rural bo xamné amul poste de santé, moy communauté rural Nyani Tukler. Donc tay am nañ ñetti poste de santé yo xamné ils sont en chantier, moy poste de santé Fadia Kunda,
Subakunda, poste de santé Sisekunda ak Silame. Yoy yaakar nañ né ci biir 2012 bi dinañ ubi, en tout cas bëgg nañ mu ubi et lolu ñu ko ñaan mu ubi. Xala sen ministre bu dëkk ñaan tuk lolu yegul lolu. Non yoy mom mais bu lolu wéso aussi centre de santé bi nek Maka ubi nañu liggéey bi paré na. Ñu ngi yaakar né d'ici mois de juin dina ubéku parce que sage femme bi nga xamné waron nañ ko former en échographie dem na def formation ba ñew médecin bi nga xamné mom mo top ci man wara def césarienne yobu nañ ko Dakar actuellement mo ngi def stage pour mëna def césarienne yaakar na né mom buy paré rek day fekk bloc bi ubéku parce que centre de santé biñu fa tabax nak machallah vraiment centre de santé bo xamné mom lañu bu mel non lay wara am fep parce que amna bloc opératoire amna service de radiologie amna cabinet dentaire amna appareil d'échographie il y a 30 lits yu nga xamné installé nañ ko té lolu Sénégal ñoko fi def ak coopération avec le Japon alors fi nak nek gox bo xamné adag ciossane japp nañ ci bu baax 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 lu démé ni alors jongal xalé jigen ni rawati encore téla may xalé ñu ci ba taxna rek généralement da fay poser lu mën tudé le problème de la santé de la production est-ce que lolu fné ni yéne ngi ci joko bu baax baax ak population bi pour cette que nous mëna amé safra voilà li nga wax deug la parce que daño nek ci gox bo xamné ada ak ciossane da fi am doolé lool té xéet yi fi nek ñu mandeng yi ak peul yi ñofi ëpp té ñoño fonctionne ada daño fonctionne ci ciossane té lolu lu baax la wayé des fois dina am indi ay jafé jafé ci walu li nga waxé santé de la reproduction parce que jigéñ ñi dañuy téla sey lélé nga gis ko xamné fukki at ak juroom la ñëw la am ñëw fi def visite koku ay ciirëm motul donc koku mu nek grossesse bo xamné grossesse à risque la il faut ñu surveiller ko lénen li aussi ad ak ciossane lu fi am doolé la bo taxna lég lég nit ñi bu ñu ñëw hôpital dañuy ñëw tardivement parce que ku ëmb déjà ci ñetti wéru ñëk yi rek won nga ñëw jëfal visite bu ñëk mais dañuy sétlu na ñenn yi dañuy ñëw danaka ño xamné buñ ñëwé rek buñ toggé wër sax accoucher wala dañuy ñëw buñ amé ñenti wër wala juroom benn wër loolu ko waral bari na ñenn ñu bari ci même ci séréer bi nga xamné mom la doon ni dañuy faral li neub seen ëmb duñu bëgg nit ñi tél ko xam donc tant que demul ba ñëpp xamné ki ëmb na du dem hôpital mais ñun suñu wal moy yé ak yété et loolu gis na né bok na ci yëngutu bi nga xamné ci lañ wara japp ñun pour faire en sorte que indicateur de santé yi mëna dolé ko bo taxna régulièrement dañuy dem ci population di leen fekki di waxtaan ak ñom ci seen wërgu yaram xol naka lan moy seen problème naka lañu gisé système de santé ñu jëm leen jox information bi nga xamné mo mo bax bon ñu mën ko jëriñ jëfé ko moy télé ñew hôpital buñu waré ñew surtout xalé yi buñu fièvre ñu télé leen indi hôpital nam amna ay jafé ñen ñi wax né jambat xaaliss ñen ñi né fuñu dëkk dafa sori waye nampes ñun ñu ngi bëy suñu waar pour sensibiliser parce que ñun suñu devoir lolu la alors mak nak mu ngi évoluer amna ñaari campement bi fi né donte campement ay campement yu spécialisé la wante fagaru mo gën faju xalé goor ak xalé jigen ñi amna xétum fièvre yo xamné demeni sida demeni les maladies sexuellement transmissibles est-ce que jamono ji waxtan nga am pour ñu fagaru waaw fièvre sida ak fièvre sey parce que fièvre sida ci yoy la bok bari na fep donc buñ né makka munta dess ginaaw donc fièvre bi amna fi waye ñu koy gérer ci niñ ko wara gérer dans la plus grande confidentialité donc amnañ fi au centre de santé laboratoire bo xamné lepp lu jëm ci analyse lu jëm ci lolu dañ koy def personnel bi formé nañ len médicaments yi nga xamné moy antirétroviraux yi amnañ fi ñu koy dispenser maladie fi ñew donc en dehors de cela aussi lu jëm ci xex walanté doomu jangaro sida digënté ndey ak doom lolu aussi def nañ ci djégo yu bari parce que amono temps fi ci Makka rek nga mënon défé test bi mais depuis mois d'août 2011 indi lañ fi infirmier yi nek Seworo Sare Jamme ak Ndoga Babacar ñu defal leen formation luy wax counseling defal leen formation ñu mëna def test bi ci seen fi nek bo taxna légui jigen mu wërul bu dem ci dispensaire yoyu ci biir bi nga def visite infirmier bi dina waxtaan ak yow
ci fièvre sida bo nango def test mu defal lako sur place donc lolu déjà djégo la bu lolu wesso aussi ñu ngi waxtaan ak population ci yé ak yété surtout amna suñu partenaire bo xamné cert wa éducation wa collège bi ak école primaire bi dans le cadre du pool sida bi nga xamné dafa ëmb acteur yi nga xamné ño xex sida yépp ci district bi en tout cas ñu ci def ay djégo yu bari mais notre grand partenaire vraiment c'est le secteur famille moy jigéñ ni GPFI ak le secteur de l'éducation avec le CM de Maka et l'école de Maka et de Kolibantan. Alors sa digënd ak personnel bi nak ak digënd personnel bi ak population bi ak yépp ñu dara waaw de climat social waaw climat social bon suñu digënté da en tout cas bu fu mu tolni lu ratax la lamagne ak ci biir gëmëñ la nek lég lég mu matanté ak mu mat bañuy mat lamagne bi defena non lañ koy waxé donc lolu mënta ñak mais dans l'ensemble ñun en tout cas li nga xamné mom lañ jital moy suñu digënté ak nit ñi parce que lolu mo jitu té mom moy muju tay ñu ngi fi tay mais ëlëk dinañ dem fenen té ñun ak ñuy ligéyal mën nañ la jé fenen té ñun lu ñuy sam rek moy bës bu ñëjë ak kenn baña sëgg kenn ku ne mëna nam sa morom donc lolu def nañ ba am nañ un climat vraiment bo xamné bu paisible la jamm dal mo suñu digënté ci biir ligéy bi bu ñu gënné ligéy bi aussi donc ku xewlé ak xew bu mënta don lañuy dem donc en tout cas il y a vraiment un climat social suñu digënté aussi ak population bi ñun population bi lañ ci togal askan mi motax ñu indi ñu fi donc buñu amul ak ñom relation yu bax donc suñu ligéy du mëna sorti et ñi nga xamné ñom ñom